Maintenant, meurtre d'un jeune de 18 ans dans un parc de Sherbrooke. Je vous rappelle qu'un mineur est accusé dans cette affaire. TVA Nouvelles a mis la main sur le rapport des événements. Et Jasmin, franchement, le récit est à glacer le sang. C'est à glacer le sang. C'est dans ce rapport la version d'un témoin important, le gardien de parc. C'est important de comprendre que ce rapport-là, c'est pas un rapport de police, c'est le rapport d'incident donc que l'employé a fait à son employeur. Alors, selon le gardien de parc, il était 21h30 environ samedi lorsqu'il est arrivé pour faire sa tournée, sa routine finalement. Il s'est stationné ici dans le stationnement et il a entendu des cris. Les cris provenaient d'ici et ce qu'il a vu vraiment, c'est à glacer le sang. Il a vu un individu agenouillé sur la victime en train de le poignarder à plusieurs reprises à côté. Une jeune femme qui assistait à la scène. Est-ce que c'est l'adolescente de 15 ans qui est accusée de complicité après le fait? On peut le présumer, mais ce n'est pas mentionné dans le rapport. Le gardien de parc, selon sa version toujours, a crié à l'agresseur de lâcher la victime. Et ce que fait l'agresseur à ce moment-là, il arrête quelques secondes, jette un œil sur le gardien de parc et finalement recommence à poignarder la victime. C'est vraiment à glacer le sang. Et à ce moment-là, le gardien de parc, qui met carrément sa vie en danger hein, parce que l'agresseur a un couteau dans les mains, il s'approche encore plus et finalement, les deux individus qui quittent le gardien de parc se rend à la rescousse de la victime avec son radio, appelle l'ambulance et il reste avec la victime jusqu'à l'arrivée des premiers répondants. Malheureusement, vous connaissez la suite. Thomas Cameron, 18 ans, est décédé. Vraiment, là, c'est une scène horrible à laquelle a assisté ce gardien de parc et la ville de Sherbrooke, l'employeur qui immédiatement lui a offert des services professionnels, psychologiques, donc qui pourront l'accompagner à traverser cette dure épreuve. Et en terminant, effectivement, vous l'avez mentionné, demain, retour en cours des deux accusés. On parle d'un adolescent de 17 ans qui, lui, est accusé de meurtre prémédité, de meurtre au premier degré, et également une adolescente de 15 ans qui, elle, est accusée de complicité après le fait. Quelle affaire quand même et quelle violence, malheureusement, jeune de 18 ans qui a perdu la vie de façon tellement atroce. Il faut saluer, là, le courage du gardien de parc qui a bien essayé de sauver la vie de ce jeune homme de 18 ans. Il faut saluer son courage. Oui, qui va avoir besoin d'aide, certainement. Merci beaucoup, Jasmin. Ouais.